Bonsoir et bienvenue dans ce numéro exceptionnel de 52 minutes pour comprendre. Ce soir, nous allons vivre un moment unique. Là, je me trouve devant l'école de gendarmerie d'Abidjan. Derrière ces portes, rares sont ceux qui savent ce qu'il se passe. Pour la première fois depuis sa création le 12 juin 1961, l'école de gendarmerie d'Abidjan a ouvert ses portes à une équipe de télévision. Ici, à l'école de gendarmerie d'Abidjan, vivent un peu plus de 1000 gendarmes et élèves gendarmes. Nos équipes ont donc suivi pendant 15 jours, nuit et jour, plus de 600 jeunes âgés de 18 à 25 ans. Des jeunes qui s'entraînent durement et qui n'ont qu'un seul but en tête, devenir un jour gendarme et ainsi faire partie de nos forces armées. Sitôt son indépendance acquise, la Côte d'Ivoire s'est donnée pour ambition de disposer d'une force républicaine chargée de la sécurité dans les zones rurales et les zones périurbaines. L'école de gendarmerie d'Abidjan, en première ligne dans la mise en œuvre de cette ambition, a formé depuis plus de 18 000 gendarmes. Alors, comment est organisée cette école? Comment l'intègre-t-on? Dans quelles conditions sont formés les gendarmes? Quel est le profil des recrues? Comment vivent-ils la dureté de leur formation? Pourquoi l'école de gendarmerie est-elle considérée comme l'une des meilleures de sa catégorie en Afrique francophone? Pour le découvrir, je vous invite ce soir à regarder cette immersion inédite dans l'école de gendarmerie d'Abidjan, un document exclusif réalisé par les équipes de Soprod. Du matin, école de gendarmerie d'Abidjan. Derrière ces murs, plus de 600 jeunes âgés de 18 à 25 ans n'ont pas fermé l'œil depuis 5 jours. Direction la piste. Deux fois ton appartement. Pas de classique. Prêt. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est pas trop dur pour les jeunes. Bon, ils ont fait une visite médicale, ils ont répondu, ils ont eu un test physique. Ça veut dire qu'ils sont au point, ils peuvent suivre la formation. Ces élèves sont arrivés il y a 3 semaines. Ils sont en première année de la formation de sous-officiers. Depuis, ils s'entraînent intensivement de jour comme de nuit et se soumettent aux ordres. Loin de leur famille, coupés du monde extérieur, coupés de la vie civile, ils apprennent à se comporter en militaire. La plupart des élèves présents n'ont jamais pratiqué le sport avec autant d'intensité. Alors, après une heure d'entraînement, la fatigue se fait ressentir. Du coup, certains se blessent plus ou moins gravement. Nango, qu'est-ce qui ne va pas? En fait, j'étais en train de faire des pompes chinoises. Et du coup, j'ai reçu un choc au niveau du genou. Je me suis dit que c'était crampe. Mais au fur et à mesure, la douleur a cessé un moment. Et bon, j'ai repris les pompes. Et quand j'ai repris les pompes, j'ai vu que ça persistait toujours. Ça nécessite une visite à l'infirmerie. Hein? Faussement, on va régler ça avec le médecin tout à l'heure, pas de problème. Hein? C'est quoi? C'est toujours le genou. Il m'a fait une injection. Il m'a dit de me reposer. Donc quand je m'arrête là, j'ai le vertige. D'accord. Donc le chef Olé m'a dit de... Donc il a demandé de reprendre le sport après quoi, dans cette journée. Après. Donc c'est pas la peine d'aller voir le médecin. En fait. C'est ça. C'est juste le repos. Tu es exempté de sport ce matin à l'issue. Pas de problème. Est-ce qu'il y en a qui jouent la comédie? Bon, s'ils sont fatigués. Est-ce que ça arrive, ça? Vous le voyez? Souvent, on sent certains qui en ont ras-le-bol, qui sont vraiment fatigués, qui ont juste besoin d'un petit moment pour récupérer. Mais bon, on arrive à détecter quand même le faux du vrai. Et vous les remettez au travail? Oui, ouais, je remets au travail.
Alors, parmi tous ceux-là, là, s'il y en a qui jouent la comédie, vous allez, tout à l'heure, on verra. En tout cas, on arrivera à détecter ceux qui jouent la comédie. Là, ça va, je peux courir avec. Mais le problème est que je dois refaire le bondage. Donc le médecin m'a dit de me reposer. Pas de problème. Voilà. Sinon, c'était juste ça et plus. Et c'est quoi le problème? C'est un flé. Il y a du mal à marcher dessus. Même pour ça. Ça va. À vous battre, c'est quoi le problème? Ah, depuis que ma main ici, c'est un flé. Donc si le matin, il y a eu fraîcheur. Tu as froid? Non, avec le sport en courant, tu vas te permettre de récupérer. C'est la douleur, en fait. Il faut te lever, fais l'effort. Tout simplement, courir à ton rythme, tu vas mollo, tu vas doucement, t'as compris? Tu ne suis pas les autres, tu fais l'effort, tu cours tout doux, hein? Tout doux, je pense que ça va aller. Si ça ne va pas du tout, tu reviens nous voir, c'est bon? Tu cours seul, tu te mets à côté là, tu vas passer, tu patientes le temps que les autres ne viennent. Hein? C'est tout doux, tu fais tout doux, hein, Aboubak, c'est bon? Tu as mal au genou là, tu vas commencer, si ça ne va pas, tu vas pas arrêter, hein? Également le genou, oui. Vous vous mettez là. Quand tu as mal à la hanche, il faut te lever. Si ça va pas, tu es bien. Si ça va pas, vous alliez. Pour intégrer la gendarmerie, il faut avoir un mental solide. Une boîte, vous le renvoyez. Non, mais je lui dis si ça va pas du tout. Il dit qu'il pourra se débrouiller. On va observer au fil du temps. Si ça va pas du tout, il va rejoindre ses camarades. Voilà les filles. Arthur a 22 ans. Fier d'avoir intégré cette formation comme nombre d'entre eux, il ne lâche rien malgré la douleur. Monsieur, ça va toujours pas? Ça y est là, petit à petit, ça y est là. C'était avec des efforts, ça va aller parce que la douleur n'est pas intense. Dieu me fait rire au hasard. Je ne dois pas décevoir mes parents. Donc, vous ne devez pas décevoir qui? Mes parents. Parce que ils doivent rendre mes parents fiers de moi. Ils doivent avoir la fierté de mes parents et autres. Du premier jour où mon père a appris qu'il était admis au concours, il était très heureux. Donc, il ferait le possible. Et il sait que petit à petit ça ira. D'ici demain ou après demain, il sait que la douleur. Ça va passer. Parce que la douleur que je ressentais à la nuit était plus intense qu'actuellement. Et les efforts que je fournis actuellement, il n'arrivait plus à finir ses efforts dans la nuit. Et au fur et à mesure, je sais que ça ira par la grâce de Dieu. Si la formation de ces élèves paraît aussi difficile physiquement, c'est que la gendarmerie nationale est une force armée. Elle est placée sous la tutelle du ministère de la Défense et chargée de la sécurité en zone rurale et périurbaine. Sa spécificité, assurer des missions militaires mais aussi judiciaires et administratives. Elle compte dans ses rangs environ 18 000 employés. 75 44 touche pas, hein. 46 59 88 98 72 44. On continue. L'adjudant-chef Ibrahim Meïté, chef du bureau des sports, entraîne depuis une vingtaine d'années les nouvelles recrues, mais aussi tous les gendarmes de cette institution. Et s'il mélange l'ordre des chiffres, c'est pour une raison. Pourquoi vous donnez des chiffres comme ça, mélangés, 48, 98 Ce n'est pas qu'ils aient une idée de combien on a fait. Mais pourquoi? On va jusqu'à 100. Bon, tout ça, ça fait partie de la formation morale aussi. Voilà, c'est ça. Et le militaire, c'est un tout. Si je vous explique très bien, si vous avez compris, c'est que j'ai mal expliqué. Alors, continue, on était à combien? 78, on va à 100. Sur 606 élèves de première année, seules 30 filles suivent la formation. Ornella, 18 ans, a toujours rêvé d'intégrer ce corps de l'armée. Cela fait déjà 3 heures qu'elle enchaîne les abdos, les pompes, la course à pied. L'entraînement monte en intensité et elle ne lâche rien.
Pourquoi vous avez voulu vous engager dans la gendarmerie? Parce que c'est une corde. Qu'est-ce qui vous plaît? Le respect du corps. Et quand vous êtes arrivé, vous saviez qu'il y aurait autant des entraînements aussi du sportif, aussi soutenus, avec des nuits blanches, avec... Personnellement, je n'ai mis à attendre. Qu'est-ce qui est dur, alors? Il faut être beaucoup endurant. Dans les débuts, c'est pas facile. Il faut s'habituer au fil du temps. S'habituer. Sinon, dans les débuts, il faut reconnaître que c'est pas facile. Mais il faut être fort moralement et aussi physiquement. Après 3h30 d'entraînement, place aux étirements. Mais la difficulté de l'apprentissage et le manque de sommeil en font tomber certains. Il dit que le vertige qui m'a mis des ventes, ça c'est la fatigue, c'est normal. Je sais pas le mettre où. Ça va mieux. Ça va mieux. On a besoin. Il est 7h30. L'activité sportive est terminée. Aucune pause. Pour ces jeunes, les jours et les nuits s'enchaînent. Ils ne savent plus depuis combien de temps ils sont là, mais l'hymne national marque le début d'une nouvelle journée. Hymne national ! Salut aux terres d'espérance, pays de nationalité, terre des emplis des vaillances, enlevez ta dignité, terre fichère et côté d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur. Garçons, filles, peu importe, tout le monde est logé à la même enseigne. Alors, outre un moral d'acier, pour se présenter au concours et intégrer l'école de gendarmerie, les candidats doivent être de nationalité ivoirienne, avoir entre 18 et 25 ans maximum, mesurer au minimum 1m 68, être célibataire, être titulaire du BEPC BAC ou d'un diplôme reconnu équivalent, jouir de ses droits civiques et bien sûr, être de bonne moralité, autrement dit, être honnête. 7h45 du matin, c'est l'heure du petit déjeuner pour les premières années. Un peu de pain, un peu de café, de quoi les réjouir. Mais les réjouissances vont être de courte durée. Le petit déjeuner, c'est un service. Et vous avez 5 minutes pour le petit déjeuner. Ça va se faire rapidement. Ça vient de l'hôtel Ivoire. Et le chef Zagbe va organiser cela. Messieurs, au coup de sifflet, au plat. Au coup de sifflet, fait de plat. Question ! Bonne question ! Question ! Les élèves de première année se ruent sur les bassines. Et en moins de 5 minutes, tout est avalé. Vous avez quelque chose à manger? Non, c'est comme ça que ça se passe d'habitude. Non, moi d'habitude. Vas-y, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est juste un petit test. Et ça arrive souvent. Oui, ça arrive. Maintenant, il faut être fort pour avoir à manger. Maintenant, on sent que vous avez à manger, donc vous avez bien lutté. Oui, c'est bon. Un petit test mal exécuté auquel ils ont échoué. Aucune discipline dans leur comportement. Alors, la sanction tombe. Vous êtes à cause des civils. L'armée, c'est la discipline, c'est la soldaté. On dit 5 minutes, on s'organise. En position de pompe.
On n'est pas organisé en position de peuple. Vous mangez la malle. Et c'est parti pour une cinquantaine de pompes. Une punition qui a un seul objectif, ne jamais oublier de respecter l'organisation militaire. Dans une gendarmerie, l'ordre règne toujours. Personne ne traîne, ou presque. Oh, vous deux, venez ici. T'as ta pépé pour quoi? Hein? Tu as pépé? Quel pépé, toi? 222. Le mot, non. Vous avez coup, non? Vous devez avoir coup. Hein? Et vous, dans 5 minutes, vous mettez en, tenue de la tenue prescrite par le coup. Si elle vient au coup là-bas, qu'elle vous voit pas. Bon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vient de se passer avec ces élèves? Bon, en principe, à cette heure, on ne doit pas les voir en tenue de sport comme ça. Ils devaient être au cou, en treillis avec tout le monde. Donc rapidement, là, ils vont aller se mettre en tenue et puis ils iront en salle. Anicet Diomandé est commandant du peloton des deuxièmes années. Il encadre 50 élèves sous-officiers. Cela fait 7 ans qu'il est gendarme. Tu as vérifié si ils sont alignés. Tu as vérifié si ils sont alignés? Vérifie. Dans la ligne, dans la colonne. Comment il s'appelle l'homme? Appelle-moi son nom. Ta coiffure. Tes coiffeurs. Popo, t'as la fou. Direction, les salles d'instruction. En chantant gaillement et fort. Pas gymnastique. Ouais. Pas gymnastique. Ouais. Marche. Ouais. Un, deux. Un, deux. Merci. Les secondes années, contrairement aux premières, ont le droit au réfectoire pour leur déjeuner. Mais même en pause, le commandant de peloton ne les lâche pas. Point bon. Faux point. C'est lui-même qui a dit merci. Allons. Qui est là-bas? Est-ce que vous êtes satisfait du plat qui vous est servi? C'est mal du monde. Oui, on est satisfait parce que moi, ça nous donne la force vraiment de manœuvrer, de tout faire. Alors, vous êtes, je crois, 8 ou 9 sur le plat. Est-ce que quand vous mangez, vous êtes rassasié? Généralement, quand vous n'êtes pas rassasié, qu'est-ce que vous faites? Avec tout, vous laissez encore autre chose. Combien de temps les élèves doivent passer au réfectoire? Ils ne doivent pas durer. Ils ne doivent pas durer. Mais ça dépend de la prestation du chef. Si le chef est content, si le chef voit que bon, ils ont un peu de temps pour aller au coup, il dit bon, vous avez tout votre temps. Mais là, on est un peu pris par le temps, ils doivent aller au coup. Donc ça dépend. Mais ça, c'est à mon appréciation en fait. C'est moi qui décide s'ils doivent faire 30 secondes, 20 secondes et autres. Voilà. S'ils n'ont pas fini de manger pour vous souffler la faim, ils sont obligés de laisser. Arrêter de manger. Oui. Tout ça fait partie de la formation. Place en avant! Merci, fin de plat. Fin de plat! Les deuxièmes années sont en formation professionnelle. Autrement dit, ils prennent des cours de police administrative, judiciaire et militaire. Car le rôle des gendarmes est aussi de veiller au maintien de l'ordre public. Ces élèves ont 8 heures de cours théorique et pratique par jour. Et le moins que l'on puisse dire est que l'ordre règne. Place en avant! Repos! À la vôtre! Repos, assis. Tu dois me rappeler la définition des circonstances aggravantes. Qu'est-ce que nous avons dit? Monsieur le deuxième année, dans notre lycée, j'ai le matricule 6192 du 3e peloton du 2e escadron. À vos ordres, madame! Oui. Nous avons dit la situation. Toute personne qui souhaite intégrer la gendarmerie doit connaître sa devise. Pro patria, pro lege, qui veut dire pour la patrie et pour la loi. Les gendarmes sont un corps d'élite au service de la nation. Une responsabilité que les nouveaux arrivants doivent intégrer en 2 ans. Ils doivent penser, manger, dormir, en bref, vivre la gendarmerie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En seconde année,
les élèves sont au minimum 50 par dortoir. Monsieur, c'est Alain, c'est Alain. Et ils dorment combien par lit? Ils dorment un par lit, ouais, non? Vous voyez qu'en haut ici, il n'y a personne. Sinon, on peut mettre encore une personne ici. Mais eux, comme ils ne sont pas nombreux, c'est quand là, ça va, c'est juste le bas, ainsi de suite là-bas. Voilà, ça veut dire qu'il y a encore des endroits où on peut encore dormir, au fait. Voilà. Donc là, ils sont de s'échanger rapidement, là, tout à l'heure. On ira de l'autre côté. Moi, je suis là et je change aussi avec eux. Et vous dormez? Oui, je dors ici. Vous dormez ici? Oui, je dors ici. Vous voyez mon lit qui est là? Je dors ici. Ça, c'est mon placard. Je dors ici avec eux. Donc, ils me changent là et puis bon, je vais avec eux en même temps au sport. Donc, voilà. Mais avant, je les motive d'abord, quoi, en fait. Les motiver, c'est-à-dire? Les motiver? Ça me plaît de faire vite. Rapidement, il peut les donner un mot d'entrer les bonnes. Dans 30 secondes, on va dehors, ils sortent. Voilà. Merci, vous avez une minute pour que vous sortez. Là, vous faites de vous en tant que commandant de peloton, ouais, de partager la chambre avec. Non, au fait, ce sont mes collaborateurs, ce sont mes élèves, ce sont en quelque sorte, ce sont mes enfants, en fait. Retour avec les premières années. Dès qu'ils ont 5 minutes, certains en profitent pour se reposer ou se raser le crâne. Pour le moment, ces élèves n'ont ni le droit aux douches, ni le droit au réfectoire, ni le droit au dortoir, ni le droit aux salles de classe. C'est donc en plein soleil qu'ils apprennent les bases de leur formation. Et aujourd'hui, c'est cours de grade et appellation. Regardez ici la disposition des talons. Nous avons là-haut. Le talon des stagiaires, vous, les élèves. Les élèves sous-officiers. Ce sont des stagiaires. Est-ce que ça va? La deuxième vague, nous voyons, c'est le talon là. Ici, c'est pour ceux qui sont déjà sortis de l'école. Est-ce que ça va? Pendant les cours, nombreux sont ceux qui dorment. Leur supérieur s'en aperçoit. Il décide donc de les réveiller un peu. Pour la femme, gare à vous! Repos! Gare à vous! Repos! Gare à vous! Réveillez ceux qui sont dans les rangs. Repos! Gare à vous! Repos assis! Vous avez eu quel niveau d'études avant d'entrer à la gendarmerie? MBTS1. MBTS en quoi? Un BTS, c'est-à-dire une première année de BTS en industrie agroalimentaire. Avec son contrôle qualité. Et ça vous plaît d'être là? Oui, ça me plaît d'être là. Qu'est-ce que vous avez appris? Là, on nous parle de qui est vraiment le gendarme. Et qu'est-ce qui vous a motivé à entrer à la gendarmerie? J'ai fait la classe de CM1 dans un camp. Voilà, dans un camp. Là, souvent, on voyait les gendarmes défiler. Donc, de là-bas, j'ai commencé à prendre goût pour la gendarmerie. Souvent, on allait regarder les défilés, les entraînements, voilà. Et j'ai commencé à m'intéresser à ça petit à petit. Puis voilà. Pour intégrer cette formation, il faut passer un concours. Il se déroule en 3 étapes. Une épreuve de français qui vise à tester la capacité des candidats en orthographe et grammaire. Une visite médicale pour rechercher les affections incompatibles avec le métier de gendarme. Et enfin, la sélection. Elle combine des épreuves physiques et écrites. Le lendemain matin, nous retrouvons les nouvelles recrues au stade. C'est un grand jour pour eux. Après 3 semaines passées dans la même tenue de sport, à enchaîner les tests et les épreuves, ils vont enfin récupérer leur première tenue militaire. Messieurs, mesdames, il s'agit de votre toute première cérémonie. Et la cérémonie dont il s'agit est la remise de votre TREI, votre tout premier équipement depuis votre arrivée. Pour mériter cet équipement, notamment le TREI, il va falloir se soumettre à un exercice physique. Vous avez intérêt à donner le meilleur de vous-même pour porter ce TREI. Et vous devez respecter ce treillis. Celui qui va mal entretenir la tenue à lui, attribuée par l'État, sera soumis aux sanctions qui sont prévues à cet effet.
c'est le premier examen qui est compté dans votre évaluation. Est-ce que je me fais comprendre? Je n'entends rien. Est-ce que je me fais comprendre? Repos! Garde à vous! Repos! Garde à vous! Mais à la gendarmerie, rien n'est acquis. Pour obtenir leur tenue, les élèves vont devoir prouver qu'ils en sont dignes. Ils doivent enchaîner différentes épreuves d'endurance. Qu'est-ce que c'est l'exercice et ils le feront combien de fois? Ce sont les abdominaux. Ils travaillent les abdominaux et généralement on en fait 100. Et celui qui finit les 100? Il récupère la première partie de la tenue. Qui est où? Qui est là. On remet ça sur les mi-bas. Il est pote toujours de la paix de Ringus. Voilà. Première épreuve réussie, les mi-bas leur sont jetés. Une façon pour leurs supérieurs de les choquer et de les maintenir dans la soumission. Pas question que les élèves s'arrêtent. Ils sont maintenus sous pression et à ce stade, ils ne se posent plus de questions. Ils obéissent aux ordres. Désormais, ils ont le droit au pantalon. Comment ça a été? J'ai lutté. Ça a été dur. Je suis arrivé. Alors, tu te sens prêt pour la suite? Oui, je me sens prêt. Quel sentiment tu as de savoir que tu vas obtenir ta tenue? Je suis content. Au début, j'étais anxieux. Je suis heureux. Alors que tous enfilent leurs pantalons, Jean-Baptiste, lui, a reçu une chemise. Ce n'est pas de sa faute, mais les supérieurs lui hurlent dessus. Déstabilisé, mettre dans des situations inconfortables, humilié, tout cela correspond à la formation commune de base. Pas un militaire de Côte d'Ivoire n'a échappé à cela. Allez, d'abord, dépêchez-vous. Si, on ne lève pas les fesses, tu vas prendre. Monsieur, il y a un fusil au-dessus de ta tête. Les nouvelles recrues apprennent à se surpasser physiquement et psychologiquement. C'est difficile, mais je peux. Je veux. Donc, je vais y arriver. Les militaires dans leur carrière sont amenés à combattre, à vivre dans des lieux extrêmes. Alors il faut confronter très vite les jeunes à de douloureuses expériences. Si les élèves hurlent de douleur, c'est que l'eau contient un produit qui brûle leurs yeux. Ça brûle. Ça pue. Vous vous y attendez ou pas? C'est les gendarmes. Et demain, ils seront amenés à réaliser des opérations de maintien de l'ordre. Donc, depuis l'école, on est bien en contact avec ce produit-là même qui est lacrymogène. Voilà. Il y en a juste un peu au niveau de cette eau-là. Voilà.
Les épreuves vont s'enchaîner pendant plus de 3 heures. Chacun a récupéré son uniforme au complet, mais un dernier test les attend. Alors que leur tenue est toute neuve, ils doivent ramper dans la boue, les mains dans le dos. Une tradition depuis 1961 dans cette gendarmerie. Mets dans le dos, 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 mets dans le dos. Mets dans le dos, 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 mets dans le dos. Qu'est-ce que ça vous fait après avoir reçu de nouveaux pays, vous les avez salis, qu'est-ce que ça vous fait? Quelle impression vous avez? Je suis fier de moi, tout simplement. Je suis fier de moi d'arriver jusqu'à là. Merci pour le chemin encore. Alors maintenant, vous n'êtes plus un civil, vous êtes un militaire. Quel effet ça vous fait? Wow, ça fait un très grand plaisir. D'après un autre de vos séquences, à chaque fois qu'on essayait de leur poser des questions, on nous disait que ça ne se raconte pas, ça se vit. Je constate ça de mes propres yeux, depuis le début. Au moins, ça ne se raconte pas, ça se vit. Ce n'est pas vraiment facile. Il faut du mental et puis vraiment du jus dans les muscles pour arriver. On est là. On est là. Viens, mais reste là, non, ça sent que. Reste là, ça sent que ça doit dire. Reste là, ça sent que. Viens, c'est la maison des plus fériés, ça sent que. Oui, reste là. Vas-y, original. Quelle impression vous avez? Pour moi, c'est amusant. Je m'occupe un esprit d'optimisme pour pouvoir avancer. Parce que si on est crispé, on a peur, ça nous fait reculer, on n'avance pas. Donc, il faut se donner le courage d'optimisme et puis de confier au Seigneur. Et c'est ce que j'ai fait. Ça m'amuse. Sentiment de fierté. Voilà, je suis fier. Le courage. D'abnégation, de rigueur. Mets dans le dos. Mets dans le dos. 3h30 de test physique, au terme duquel tous les élèves manifestent leur joie. Vous m'avez pas mérité. Pas mérité. Pas mérité. Ouais. Ils disent qu'on va peut-être traîner, on va pas traîner 10 000 fois. Mon rêve a été réalisé. J'ai tellement rêvé d'être gendarme dans ma vie. Par la grâce de Dieu, j'ai dû déporter mon premier. Bon, j'ai fait dire, c'est ma deuxième peau. Ma deuxième peau. Je suis gendarme, maintenant je suis gendarme. C'est comme ça la vie, c'est ça. Il faut lutter dur pour pouvoir passer de la vie. Et nous sommes en train de franchir une autre étape de notre vie. Et nous parviendrons, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Dans les premiers temps, on va constater, on va voir s'il n'y a pas eu de bobos et autres. Voilà. Et s'il n'y a pas de bobos, ceux qui ont des bobos, automatiquement, ils seront pris en compte par l'infirmier, le médecin. Ceux qui pourront continuer. Okay. S'ils sont OK, cette nuit, on a le métier en éveil. Bien avant cela, on aura une marche au sein de Alors, de façon habituelle, est-ce que vous rencontrez des cas où il y a des personnes qui ne peuvent pas continuer? Puis quel genre de cas? Est-ce que c'est grave? Ils ne peuvent pas continuer. Non, ça arrange pour que tout le monde continue, tout le monde termine la formation. Voilà. Sauf cas de discipline voilà, qui conduit à des réalisations. Vous ne pouvez pas monter, quoi. Dans le cas contraire, on s'arrange pour mettre tout le monde à niveau, à côté intellectuel et physique. Voilà, on s'arrange pour que tout le monde soit opérationnel. En fait. Et il n'y a pas d'accident alarmant? Accident alarmant, non. Tous les matins, la gendarmerie est inspectée par le commandant Zoumana Ouattara, officier logistique, en charge, entre autres, de la gestion du matériel, du suivi et de l'entretien. À peine arrivé, il contrôle la propreté du site. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Tout ça, c'est quoi? Balayez-moi ça. Ça, balayez. Ça, c'est une corvée qui doit se faire à 4h du matin. Vous êtes d'accord avec moi? Regardez, les poubelles sont pleines. Mmh. Allez, nous, tout ce qui est corps étranger ici. Dépêchant. Chef de poste, c'est pas toi qui vas faire ça. Il y a des tournois dedans. Ils sont très la corvée. Ils font le corvée, ils font cela, ils font ça. Je veux plus voir ça. Ça, je sais pas, c'est un principe, hein. On est d'accord de là-dessus. Bien, on va contrôler les caniveaux. Je tiens à mes caniveaux. Et rien n'échappe à son œil de lynx. Vous avez vu, non? Ça doit faire là.
ça doit pas être. Maintenant là, ils doivent rester, ils doivent mettre de l'eau, hein, laver à grand eau. D'accord ? Pour que ça soit évacué. Hein. Je veille personnellement au contrôle de la propriété. Parce que une chose est de donner des instructions pour que la propriété soit faite, l'hygiène des locaux. Une autre chose est de contrôler, parce que si vous ne contrôlez pas, ils vous diront qu'ils ont fait. Mais qu'est-ce qu'ils prouvent qu'ils ont fait ? C'est quand vous venez toucher du doigt. Quelle est l'importance de la propriété à la gendarmerie ? C'est capital pour nous. Hein. Hein? Ça fait partie de la discipline. Ça s'applique aussi aux civils ? Tous ceux qui sont dans notre environnement. Dans ces différentes fonctions, le commandant est aussi en charge du groupe escadron de première année. Ce matin, il doit tenir une réunion sur la suite de leur formation. Un départ en brousse. Fixe ! Autour de cette table, les différents chefs escadrons et instructeurs qui accompagneront les nouvelles recrues. Bonjour messieurs, bonjour mesdames. La réunion qui nous rassemble ce matin va porter sur un seul fait principal, c'est-à-dire la mission à venir dans les 48 heures, notamment la projection sur Akangé. Voilà, c'est une mission très importante dans la formation de nos jeunes recrues. Et vous êtes expérimentés, vous êtes volontaires. C'est dit que la volonté qui y est doit se faire pour pouvoir galvaniser ces stagiaires-là, de sorte à réussir ce qu'on s'en va faire en brousse pour le temps de notre séjour là-bas. Donc individuellement, vous allez préparer votre paquetage. Et collectivement, vous allez aider ces jeunes-là à préparer leur paquetage. Et la sécurité, ça me préoccupe et je ferai de cela mon credo. Individuellement, les armes individuelles de sécurité que vous devez prendre, il faut les prendre. Les gilets de sécurité fluorescents, vous venez, on va vous faire le bon. Chacun, obligatoirement, ça c'est un ordre qui vient du commandement. Chacun doit avoir son sifflet et une torche. Je veux que cette formation en brousse soit pratique, pas décrit, pas trop décrit. Ils prennent note. Mais quand ils sortent là-bas, avec une boussole, ils peuvent s'orienter seuls dans la brousse. Ils doivent pouvoir orienter une carte. Ils doivent pouvoir lire une carte. Ils doivent comprendre ce que c'est que l'échelle. Ils doivent pouvoir utiliser une jumelle. Ils doivent pouvoir utiliser un GPS. Ils doivent pouvoir donner des ordres élémentaires du combat. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut les driller pratiquement. Haute série, il doit bouffer ça. Un peu d'abdos, un peu d'exercice physique, ils font haute série. Parce que quand ils reviennent de la brousse, ils doivent pouvoir se présenter correctement. Ils doivent pouvoir faire à gauche, gauche, à droite, droite, correctement, demi tout droite. C'est-à-dire quand on vient ici, déjà même, ils doivent déjà pratiquement savoir défiler. La séance est levée. Carbavo ! À votre disposition. Repos. 48 heures plus tard, nous retrouvons les premières années, prêtes au départ. Pour confronter les jeunes recrues à des conditions plus difficiles qu'à la gendarmerie, 597 jeunes vont passer 3 semaines dans la brousse. Quel est le sentiment que vous avez pour la formation à Akangé ? C'est très chaud parce qu'on est arrivé, parce qu'il y a eu trop d'écho, ouais, c'est comme ça, c'est ceci, c'est cela, c'est difficile, tout ça. Voilà. Donc, j'ai vraiment envie d'arriver sur les lieux. Quel sentiment de peur ? Bon, pas un sentiment de peur, mais de curiosité en fait, de voir vraiment ce qui se passe là-bas. Depuis ce jour que vous êtes là, vous n'avez pas droit au trottoir, vous n'avez pas droit au réfectoire. Vous savez pourquoi ? Oui, d'une part parce que il trouve que nous avons d'abord un esprit, comme on appelle Charlie, comme on le dit dans notre jargon ici, un esprit civil. Voilà, donc il veut nous inculquer cet esprit de militaire là en fait. Parce que là maintenant, après cette formation, on pourra nous considérer maintenant comme l'un d'eux. Il est 17h30, c'est l'heure du départ. Ils quittent la gendarmerie à pied, heureux de sortir un peu de l'école. Allez, 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 allez.
4h30 et 20 km plus tard, les voilà enfin arrivés sur les lieux. Il est 22h, épuisés, ils filent direct se coucher. Mais à 4h du matin, nous découvrons leur supérieur debout, préparant une surprise. Coup de feu, hurlements, la journée des nouvelles recrues commence. Avant de devenir de vrais gendarmes, ces élèves ont encore plus d'un an et demi de formation. Ils feront ensuite partie des forces de l'armée nationale de Côte d'Ivoire. Je suis toujours dans l'enceinte de l'école de gendarmerie d'Abidjan et je suis en compagnie du colonel Bakayoko Lassana, qui est le commandant de l'école de gendarmerie d'Abidjan. Bonsoir, mon colonel. Bonsoir, monsieur. Avant toute chose, nous avons laissé tout à l'heure certaines de vos recrues à Akandji. Est-ce qu'ils vont bien ? Est-ce que ces derniers ont terminé la mission ? Le séjour à Akandji pour nous, ça y est, les premières années, dans le cadre de la vie à campagne pour leur formation commune de base. Ils passent 3 semaines là-bas pour renforcer leur capacité au combat, en topographie, en armement, au tir et au sport. Ils vont bien, il n'y a pas d'abandon pour l'instant. Mon colonel, dites-nous, qui formez-vous en fait ? Quels sont les profils que vous formez ici à l'école de gendarmerie d'Abidjan ? À l'école de gendarmerie d'Abidjan, nous formons des futurs sous-officiers de la gendarmerie nationale sur 2 années. Les jeunes gens et les jeunes filles qui entrent ici, au bout de 9 mois, ils ont la formation militaire pour la première année. Et en deuxième année, ils font la formation professionnelle. Au terme de ces 2 années, donc, nous avons des sous-officiers de gendarmerie en ce qui concerne la formation initiale des sous-officiers. Il y a également la formation continue au niveau des sous-officiers. La formation continue, c'est-à-dire les cadres de la gendarmerie qui viennent pour se perfectionner. À ce niveau, on a plusieurs stages. On a le stage de l'OPJ, officier de police judiciaire. On a le stage du brevet technique de gendarmerie territoriale. On a le stage du brevet technique de gendarmerie mobile. À côté de ça, nous avons aussi la formation des officiers. Le cours d'application des officiers de gendarmerie nationale, qui au terme d'une année de formation devient officier de gendarmerie. Qu'est-ce que vous voulez leur donner précisément ? Alors, nous voulons donner à ces personnels-là, n'est-ce pas, des capacités d'être des officiers de la police judiciaire, n'est-ce pas, pour pouvoir servir la patrie conformément à la loi, comme dit notre devise, pour la patrie pour la loi. Alors, une fois qu'ils ont intégré l'école, il faut maintenant passer aux choses sérieuses. Vous l'avez dit, ils étaient à Akandji, ils ont fait des formations. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces différentes phases de formation ? Alors, quand les jeunes gens arrivent ici, ils ont d'abord la première étape qui est la formation commune de base, au cours de laquelle on leur apprend les rudiments de la vie militaire qui dure entre 45 jours et 3 mois. Au terme de ces 3 mois-là, ils sont aptes à avoir le drapeau national. Donc, au cours d'une cérémonie, ils sont présentés au drapeau. Et ça, c'est une étape évidemment fondamentale dans le rapport qu'on a avec la nation. Tout à fait, c'est un rendez-vous important parce que c'est à partir de ce moment-là qu'ils sont jugés dignes de l'état militaire. Ils peuvent voir le drapeau, saluer le drapeau, ils peuvent sortir en ville, ils peuvent bénéficier des permissions. Avant ça, ils sont encore à l'école ici. Après cette étape-là, la formation de première année, qui est la formation militaire, continue, qui est rythmée par des examens qu'il faut réussir pour pouvoir passer en deuxième année au cours de laquelle on fait la formation professionnelle qui est spécifiquement gendarmerie, qui s'articule autour de matières gendarmerie, de matières de droit, telles que la police administrative, la police judiciaire, la police militaire, ainsi que la défense opérationnelle du territoire. Parce qu'il existe des recrues qui n'atteignent pas ces différentes phases-là. Bien entendu, il y a certains qui ont des difficultés à suivre le rythme. Mais dans l'armée, il y a ce qu'on appelle l'esprit de solidarité. Donc, on fait en sorte que les plus forts tirent les plus faibles pour qu'ils puissent, au terme de leur formation, être tous aptes, n'est-ce pas, à sortir. Il y a le terrorisme, il y a le grand banditisme, etc. Comment l'école de gendarmerie
s'adaptent à toutes ces nouvelles réalités, à ces nouveaux modes de délinquance. Nos chefs qui sont conscients de cette réalité-là adaptent, n'est-ce pas, les modules de formation pour que nos gendarmes puissent être en mesure de faire face à ces défis, aussi bien en formation initiale qu'en formation continue. Donc, en la matière, il n'y a pas de problème. Les jeunes gens qui sont formés ont des modules, aussi bien en droit de l'homme, en protection, n'est-ce pas, qu'en terrorisme. Donc, sur la question, on n'est pas inactif. On ne peut pas ne pas en parler. C'est la question de la corruption. Est-ce que ça fait partie d'une des thématiques ou c'est un module particulier dans la formation du gendarme? À la matière, comme le dit le commandant supérieur, c'est tolérance zéro. Il n'y a pas de trappe à la corruption ici. Quand ils entrent ici, ce sont les premières valeurs qu'on leur enseigne. Le gendarme est un soldat de la loi. Donc il travaille conformément à la loi, qui travaille dans l'intérêt, n'est-ce pas, du faible, du pauvre, pas seulement du riche. Il travaille donc conformément à la patrie, conformément à la loi. Mais est-ce que vous, en tant que commandant école, quand vos gendarmes sortent, ils sortent de chez vous et qu'en ville, nos concitoyens peuvent les accuser de quoi que ce soit, comment vous réagissez par rapport à ces accusations ou ces propos de nos concitoyens? Le gendarme qui est accusé, n'est-ce pas, une enquête est ouverte. Au terme de l'enquête, n'est-ce pas, nos statuts sont situés. Donc nous n'avons pas de problème avec ça. Nous savons que nos hommes sont formés de façon sérieuse et qu'ils ont des valeurs qu'ils portent. Ils n'ont pas le droit, n'est-ce pas, de commettre n'importe quoi. Parlons des conditions physiques de la préparation des recrues. Est-ce qu'il y a un véritable impact, j'allais dire, préjudiciable aux recrues? La formation du militaire, elle est d'abord morale. C'est-à-dire qu'il faut un moral de fer. Il faut également aussi un physique qui répond aux exigences de la vie militaire. Le gendarme, c'est un soldat de la loi, mais le gendarme, il est appelé également aussi à pouvoir faire la guerre si ça s'impose à lui. Il faut être prêt, n'est-ce pas, physiquement, moralement et intellectuellement. Il y a quelques années, une de vos recrues, en faisant du sport, est tombée devant l'école de gendarmerie. Récemment, ce n'était pas chez vous, à Toroguyé, on a eu un cas dramatique. Est-ce que tout cela, ça vous fait, on va dire, remettre en cause les conditions psychologiques et physiques de préparation de ces recrues-là? Aucunement. Ce qui est arrivé récemment à Toroguyé, c'est un fait que nous déplorons, mais l'enquête qui a été ouverte pourra nous situer naturellement sur les fondements de tout ce qui a pu arriver. Cela ne remet nullement en cause, n'est-ce pas, ce qui est enseigné dans nos écoles. Qu'est-ce que vous disposez, vous, comme on va dire plateau technique, d'un point de vue médical, pour pouvoir réagir tout de suite? Alors, le soutien médical est assuré d'abord par le médecin chef de la gendarmerie nationale. Et bien sûr, place ici, nous avons une équipe médicale qui est armée par deux médecins et une équipe d'infirmiers. Donc le soutien médical est permanent et en la matière, nous n'avons aucun souci. Parlons des recrues quand elles arrivent. Je le dis un peu avec le sourire, parce que ça va concerner le bizutage. Vous ne pensez pas que c'est une pratique qu'on devrait abandonner? Alors, nous parlerons plutôt de tradition dans les armées. Quand un jeune homme et une jeune fille quittent le monde civil, qui vient dans le monde militaire, naturellement, c'est un changement de cap, c'est un changement d'environnement. Donc, cela suppose ce qu'on appelle une prise en main, n'est-ce pas? Une initiation à son nouveau monde. Est-ce que cette initiation, cette prise en main n'est pas un peu trop dure? Et pour certains qui disent, certains observateurs parlent de certaines pratiques qui pourraient être un tout petit peu inhumaines. Est-ce que vous partagez cet avis-là? Ou bien pour vous, ça reste toujours dans un code militaire? Tout militaire que nous sommes respectueux, n'est-ce pas, du droit à la protection des personnes. Donc ce que nous faisons, n'est-ce pas, est encadré. Pendant tout le temps de la formation traditionnelle, il y a une équipe d'encadrer, une équipe médicale qui soutient cette activité-là. Donc nous ne laissons pas faire tout et n'importe quoi. Quel bilan faites-vous aujourd'hui de la présence des femmes dans le corps de la gendarmerie, ce corps d'élite? En effet, depuis 2014, la gendarmerie a commencé à recevoir ses premiers personnels féminins qui étaient composés de 4 officiers, après des personnels féminins sous-officiers. Donc, au terme de ces 5 années, n'est-ce pas, de recrutement de personnel féminin, je pense qu'on peut dire que les choses se passent plutôt bien. D'une façon générale, on n'a pas encore remarqué que ces personnels-là font l'objet, n'est-ce pas, de carences particulières. On a même dit qu'il y a beaucoup d'officiers
qui étaient réfractaires justement à l'entrée de la gente féminine dans ce corps-là. Est-ce que pour vous, en tant que dirigeant chargé de la formation, il y a eu un travail supplémentaire pour aider l'ensemble du corps à accepter ces jeunes dames? Vous convenez avec moi que tout changement a ses mélancolies. Mais sur la question, je pense, le commandant supérieur et l'autorité de tutelle ont fait le travail qu'il y avait à faire de sorte que leur insertion n'a pas causé de problèmes. Le 4 juin 2017, il y a eu un drame. Des gendarmes ont vu leur embarcation chavirer à Assigny. Est-ce que ces modules de formation sur les différents niveaux de terrain sont au cœur de la formation? Tout à fait. Et en relation avec la réforme de la sécurité, n'est-ce pas, ces formations de spécialité, n'est-ce pas, sont, n'est-ce pas, renforcées. On a notamment l'unité d'intervention des armées nationales, qui est l'unité spécialisée en la matière, n'est-ce pas, qui a acquis des moyens récemment et qui ont aussi fait des formations à l'étranger et sont en mesure, n'est-ce pas, de faire face à ces défis-là. Bien entendu, un accident peut arriver à tout moment. Autrement dit, notre institution, n'est-ce pas, a les personnels et les moyens préparés, n'est-ce pas, pour faire face à ce genre de cas. Vous dites les moyens, mais est-ce que ces moyens-là sont suffisants? Parce qu'aujourd'hui, je veux dire, toutes les unités qui se retrouvent sur la mer ou sur la lagune, elles ont un diplôme ne serait-ce que de natation? Est-ce qu'elles ont ce qu'il faut? Est-ce qu'on arrive à couvrir l'ensemble, on va dire, du personnel qui est en mission en termes de spécialité pour ces terrains-là? La plus grande des armées aura toujours besoin de moyens supplémentaires, n'est-ce pas? Cela dit, la gendarmerie, avec ses équipes nautiques, n'est-ce pas, aujourd'hui, est en mesure de faire le travail qui lui est demandé. Bien entendu, si on a davantage de moyens, ce sera la bienvenue. Donc pour l'instant, n'est-ce pas, nous travaillons les moyens que nous avons et ça se passe plutôt bien. Chaque fois qu'on lance un concours de gendarmerie, on remarque qu'on appelle aussi un certain nombre de spécialistes, de la menuiserie, des mécaniciens. Qu'est-ce qui explique cela? Cela s'explique par le fait que les armées, n'est-ce pas, essaient de fonctionner de façon autonome. Dans l'armée, de la même manière qu'on a des médecins, on a des maçons, on a des menuisiers, on a des ferronniers. Et ce sont des gendarmes avant tout? Ce sont des gendarmes. Ceux-là, par contre, ils font une année de formation ici, la formation militaire, et après cela, ils vont en unité pour exercer leur métier de spécialité. Comment, au fur et à mesure, on va déceler en eux la capacité d'intégrer telle ou telle autre unité? Comment ça se passe concrètement? Alors, les 600 que nous avons reçus cette année feront 2 années de formation ici, la formation militaire, ensuite la formation professionnelle. Au terme de ces 2 années, nous sommes en mesure, n'est-ce pas, d'identifier des profils et cela aussi répond aux besoins, n'est-ce pas, de la politique du commandement supérieur. De sorte qu'au terme de ces 2 années, mais également tenant compte de leurs résultats, c'est de leurs performances, un classement est fait et en fonction des résultats et des orientations du commandant supérieur, ils sont affectés dans les unités, n'est-ce pas, pour leurs premières armes. Est-ce que ces affectations-là font l'objet d'âpres disputes en termes de qualité? Je veux être premier parce que je rentre dans ce qui est le Graal de la gendarmerie. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui c'est une saine émulation, cette gendarmerie? Tout à fait. Il y a une saine émulation puisque les mieux classés, n'est-ce pas, sont récompensés, sont félicités et ont plus de choix. Et eux, en général, ils sont moins bien classés. Les choix qu'ils font, c'est lesquels? Ils vont dans quel type d'unité? Quelles sont les unités les plus prestigieuses de la gendarmerie, selon vous? La gendarmerie, elle-même, est une arme prestigieuse. Oui, on est d'accord. C'est donc, les unités sont prestigieuses. Mais par exemple, aller au bataillon blindé ou dans une autre unité mobile, ou aller dans une unité territoriale, je ne suis pas sûr que c'est... Ça fait plus plaisir que de se retrouver dans un corps d'élite au cœur de la gendarmerie. Bon, il faut dire que y a un principe quand même. Hein. Les jeunes gens qui sortent après 2 ans sont surtout orientés vers les unités mobiles. D'accord. Dans un premier temps. Cela dit, être en unité territoriale n'est pas déméritant, puisque la gendarmerie elle-même, n'est-ce pas, repose un peu sur la territoriale. Donc, du coup, toutes les unités sont prestigieuses. Je leur dis de quoi les gendarmeries comme unité prestigieuse. Oui, bien sûr. Alors, pourquoi pas? Bien sûr. Vous parlez bien de votre institution et vous avez raison, mon colonel.
aujourd'hui, la gendarmerie est évidemment face à de nombreux défis. Comment on motive de façon supplémentaire ces jeunes gens et même les officiers qui reviennent à faire face à ces nombreux défis-là? La RSS, n'est-ce pas, fait de la formation, n'est-ce pas, un des piliers essentiels. Et en tant que suite de formation, nous sommes en bonne place. C'est pour cela que depuis la fin de la crise, l'école de gendarmerie, des unités de gendarmerie, n'est-ce pas, et l'école notamment, reçoit des moyens en équipement, n'est-ce pas, des moyens en effet, n'est-ce pas, vestimentaires, des moyens didactiques, n'est-ce pas, pour que les gendarmes, n'est-ce pas, qui sont formés, soient bien formés et soient bien équipés, n'est-ce pas, pour faire face aux défis des temps nouveaux. C'est quoi un bon gendarme? Un bon gendarme, c'est d'abord un bon soldat. Un bon gendarme, c'est un soldat qui travaille dans l'intérêt des populations, qui protège les biens et les personnes et qui travaille conformément à la loi, qui ne fait pas ce qu'il veut, bien qu'il soit armé, qui fait le bon usage de son arme pour défendre, n'est-ce pas, le territoire, pour défendre, n'est-ce pas, les populations, pour défendre les biens conformément à la loi et qui travaille sous le contrôle du parquet. Vous, colonel Bakayoko Lassana, quelles sont vos ambitions dans le cadre de réformes, n'est-ce pas, plusieurs unités de gendarmerie ont été créées, ont été ouvertes sous le contrôle du commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Donc la gendarmerie, de façon générale, n'est-ce pas, en ce moment, connaît en ce moment une montée en puissance. L'école de gendarmerie d'Abidjan ne veut pas demeurer en reste. Elle veut, à l'instar de la gendarmerie nationale, aller au-delà de ses capacités d'aujourd'hui en matière infrastructurelle, en matière des résultats, en matière, n'est-ce pas, de capacité à faire la formation continue des sous-officiers et même des officiers. Notre ambition également est de pouvoir disposer d'un dispositif qui fasse la formation continue des officiers supérieurs. Merci, mon colonel, de nous avoir accueillis ici même dans l'école de gendarmerie d'Abidjan. Merci, monsieur. Merci à toutes les équipes de SOPROD et de la RTI 1 qui ont pleinement contribué à la réalisation de cette émission, mais surtout qui ont participé activement à donner corps à cette immersion au cœur de l'école de gendarmerie d'Abidjan. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de 52 minutes pour comprendre. Je vous souhaite une bonne fin de soirée sur RTI 1.